Bon matin! J'avais acheté chez Nespresso leur trio de Noël. Donc, à date, hier, j'ai essayé le rouge. Il y a le vert, comme ça. Voyons, ça ne coquise pas. Puis, le bleu. Vous amène au cœur de l'expérience classique du café italien. Nous avons créé cette combinaison percutante au goût doux et velouté avec des arômes de céréales torréfiées. Blablabla. Ok. Comment il t'explique finalement? Le repas est peut-être terminé, mais le café saveur amaretti vous permet de prolonger le moment. C'est l'espresso qui ravivera toutes les sens, les arômes d'amande douce, arrière et de vanille. Bon. Puis céréales. Puis celui-là, le vert. Gâteau aux noisettes. Un matin, ça va être ça, je pense. Ça, c'est mon moment après avoir déjeuné. Donc là, on doit trouver la genre de poutine au chocolat. Fait que, let's go! On va la trouver. Pour voir c'était quoi la saveur. Érable fondant. Viens, mon amour! C'est quoi ça? Du chocolat. Donc là, j'imagine que je vais avoir tellement de questions là-dessus parce que j'en ai déjà eu sur Instagram. La doudou comme ça est vraiment douce, by the way. Je l'ai pris chez Provigo. Elle coûtait comme 30$. Il y a, je sais pas si c'est vraiment dans toutes les Provigo, mais je l'aime beaucoup. Ensuite, il y a celle-là comme un genre de Sherpa. L'endouille comme ça. J'ai pris ça chez Wayfair. Puis celle-là, je l'ai pris chez Line & Chess. Donc là, madame vient de se réveiller. Donc, je vais aller la lever. Mademoiselle! Allô, toi! Bon, re-salut! Je suis enfin tranquille. Il est 2h23. Puis, je me suis dit que c'était vraiment un bon moment en ce moment pour faire un petit... DIY, je sais pas comment ça se dit, mais dans ma tête c'est comme ça que ça se dit, donc c'est ça. J'ai trouvé l'idée sur la page Instagram de Brooke and Peony.
Je sais pas non plus comment ça se dit. Ça va bien mon affaire. Mais elle fait un super... Alors, sérieux, son feed est tellement beau en passant. Là, vous voyez là, de toute façon. Donc, moi, dans le fond, je voulais faire ça. Le calendrier de l'avant qu'elle a fait. Mais c'est sûr qu'avec les feuilles blanches, ça va être blanc au lieu de noir. Donc, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que ça prend. Comment moi je vais le faire, je sais pas si ça va être beau, je l'ai jamais fait. J'aurais aimé ça de trouver des petits trucs plus petits, il y en avait, mais des blancs. Fait que je vais voir qu'est-ce que je vais faire, soit je vais les couper, les plier, on verra. Donc ça prend des genres de sacs à bonbons là. Ensuite, pour la beauté, mettons, pour esthétiquement parlant, j'ai acheté une genre de branche comme ça, avec des oranges, puis des petits trucs rouges comme ça. Ça prenait aussi de la ficelle. Je sais pas pourquoi ça prend du scotch tape, mais ça prend du scotch tape. Ça prend ça. Puis un exacto. Puis c'est bien important d'avoir une planche. Parce que dans le fond, on va faire imprimer les chiffres à l'ordinateur. Je vais vous montrer quelle écriture prendre, comment le faire. Faut juste que j'aille chercher mon imprimante. Puis ensuite, c'est ça. Il va falloir venir les couper. Il faudrait que ce soit vraiment droit aussi. En tout cas, de préférence. Puis que ça cache pas mal tout. Le sac. En tout cas, c'est vraiment à votre guise. Donc, let's go! On s'en va imprimer ça! Donc là, j'ai tout... Là, parlez-moi pas de gaspillage de feuilles, ok? Genre, j'ai tellement essayé de mettre plus de chiffres dans une page, puis genre, je sais pas, je suis vraiment push. J'arrivais pas comme à savoir comment, là. Je sais pas pourquoi. Vraiment push, là. On va avoir aussi besoin d'un morceau de bois. Donc, je l'ai accroché là juste pour me donner une idée de comment j'allais les placer. Fait que je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire avec ça.
Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai collé ça. Puis voilà, ça peut faire un beau calendrier de l'Avent puisque tu peux mettre des choses dedans. Donc voilà. Ça sent trop bon. Puis là, ben avant de vous montrer mon souper, je l'ai mangé. Classique. Et où papa? Et où papa? Ah! Oui, à moi. Ok. Et où maman? Oh, bravo. Tu es trop bonne, maman. Et où Julia? Ah, et où Julia? Et où Dudu? Ah, Julia est cachée. Elle est cachée. Ah! Ah, bravo, mon amour. Yeah! Bonsoir. Voyons. Tout le monde est couché. C'est Harry Potter qui joue. Puis moi, je bois un petit jus tranquille. Puis c'est ça. Je voulais. J'étais en train de faire du montage de vlog parce que là, hey, c'est fatigant quand il fait noir. Hein, ça arrête pas de flouter, déflouter. Fait que je suis désolée pour ça. Mais c'est sûr, là, il faut que je fasse pas mal du montage de vlog. Pas mal souvent, le soir, puis le matin. Mais c'est ça. Fait que j'en profite quand tout le monde se couche. Tantôt, on n'a pas écouté Harry Potter quand il jouait parce que Alex, il l'a déjà vu. Mais moi, non. Quand j'étais jeune, mes parents voulaient pas que j'écoute Harry Potter. En tout cas, longue histoire, là, on rentrera pas là-dedans, là-dessus. Mais c'est pour ça que j'y tiens, tu sais. Fait que j'ai vraiment envie de les écouter. Fait que j'ai attendu que tout le monde aille se coucher pour faire mon montage avec Harry Potter en background. J'ai déjà écouté comme des petits passages dans ma vie, là, oui, mais écouter pour de vrai, non. Donc, c'est ça. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ça vous a inspiré. Pour vrai, il y a plusieurs façons de faire le calendrier de l'Avent. Celui que je vous ai montré, tu sais, de Brooke, il est vraiment... Il est moins long que le mien. Sa branche est plus longue aussi. Elle a pu plus en mettre de largeur. Mais moi, j'ai comme pas trouvé de branche plus longue que celle-là. En tout cas, je l'avais déjà. Fait que ça me tentait pas comme d'aller en rechercher quand j'en avais une. Donc, c'est pour ça qu'il est fait comme sur le long. Mais c'est vraiment à votre guise. Il y en a qui en ont fait sur des crochets. Il y en a... Je veux dire, il y a vraiment plusieurs sortes. Mais c'est hyper simple. Puis c'est quand même très décoratif, joyeux et beau. Donc, ben c'est ça. On s'en revoit demain de toute façon. Hein? Fait que passez une super belle journée. Bye bye.